Moi, un plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs de Mondico Télévision, pour le compte de votre émission Tribune. Et pour ce soir, pour cette occasion, nous avons le réel plaisir. De recevoir sur ces plateaux notre invité au nom de Florent calongi, Il est cadre de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, IDPS Tshisekedi. Il est secrétaire national à FASO, Association FACI Solutions. Il est aussi entrepreneur. C'est avec lui que nous allons devoir euh, décrypter l'actualité politique du pays, bien évidemment parler aussi de ses ambitions, parce que c'est un entrepreneur, c'est un homme politique. Bienvenue, monsieur Florent calongi. Merci, Madame Ranta, pour le plaisir que vous m'avez accordé de me recevoir dans ce fastidieux, un gigantesque studio de Mandico Télévision, que pour lequel j'informe à nos téléspectateurs que c'est l'œuvre d'une dame et pendant ce mois de, de femme. Très bien, Madame Julia Luonga. Voilà, je n'ai qu'à jeter mes fleurs sur Madame Julia mm -hmm. pour cette réalisation. Merci beaucoup, Péthès, chers téléspectateurs, merci les caméramens et toute l'équipe technique de Mandico Télévision. pour le plaisir que vous m'avez accordé. Merci beaucoup et euh, merci aussi à vous d'avoir répondu à notre invitation. Euh, ça n'est une de vous appeler, mais répondre euh, positivement, est, ça en est une autre euh, pierre des manches. Euh, pour ces numéros, nous avons le réel plaisir de vous recevoir. Euh, C'est pour vous une première fois sur Mandico Télévision. Asso, asso, AFASO, Association Fatih Solutions. Fatih Solutions, est-ce euh, une flatterie ou euh, parce que vous avez vu en lui quelque chose Parlez-nous un peu d'AFASO. AFASO, Association Fatih Solutions, c'est parti d'une pensée d'une dame également. La dame s'appelle Madame Brigitte Kabea Mwanza qui vit à Paris okay. depuis plus de 40 ans. Qui a émis l'idée de créer cette association pour soutenir les œuvres de chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi Chilombo. Donc, faites solution dans un pays solution. Vous comprendrez que l'œuvre de euh, notre chef de l'État est venue apporter des solutions et le peuple congolais, nous en général, et nous, les membres de Afaso, nous sommes prêts à accompagner. Le chef de l'État en termes de solutions. Est-ce que Fatih a également apporté des solutions à la population congolaise Les solutions sont nombreuses, très nombreuses même, au point que peut-être comme ce n'est pas trop médiatisé, mm -hmm. et le peuple congolais n'a pas encore perçu. Mais nous, en tant qu'association, nous avons déjà recensé plusieurs solutions et que nous avons aussi d'autres projets qui vont faire que dans un de temps mm -hmm. qu'on puisse palper du doigt les réalisations du chef de l'État. Pourriez-vous en citer quelques-unes quelques hein? Bon, je peux, je peux commencer par la, le projet phare, okay. la gratuité de l'enseignement. Comme toujours, vanté VAR. par euh, le proche oui. euh, du pouvoir. Pas vanté, c'est-à-dire c'est une application de notre constitution qui a souffert, cet article a souffert pendant plusieurs années de non-application, et qui a connu l'application neuf mois après l'accession au pouvoir de son Excellence Félix ségui Lombo. C'est l'article 43 de notre Constitution qui a fait de l'enseignement de base une gratuité et une obligation, et surtout l'aspect obligation, puisque les gens ne pouvaient pas s'imaginer quand un enfant ne va pas à l'école. On peut même sanctionner les parents. À l'époque coloniale, on sanctionnait. Puisque Mais on obligation. voit encore des enfants sur la rue qui vendent des légumes, qui sont au marché par-ci par-là. Justement, c'est on a l'église... L'aspect contraignant n'a pas été l'obligation de l'enseignement de euh... de des bases. Mm -hmm. Et c'est ce que le chef de l'État a jugé mieux de matérialiser, puisque comme vous pouvez vous rendre compte que le rôle d'un homme politique, c'est de former le peuple, d'informer, d'accompagner et de protéger le peuple. Et dans le cadre de la formation, le chef de l'État avait jugé, bon, bien au début de son mandat, de lancer la gratuité de l'enseignement. De prioriser la gratuité de voilà. l'enseignement. Voilà, ça, c'est vrai parce qu'on dit, si vous voulez tuer un peuple, faut il faut l'éducation. C'est-à-dire éducation. Voilà. Okay. que vous fermez les écoles, vous ouvrez les prisons. Si vous voulez fermer les prisons, il faut ouvrir les écoles. Donc c'est dans cette vision-là qu'il a jugé bon, que pour transformer l'homme congolais, il faut commencer par les former. Puisqu'un homme formé, il sait protéger les infrastructures, il sait protéger les acquis pour le développement. Et un homme formé, il sait résister à la tentation, à la disons toutes sortes de tentations. Hein. Dans la vie, il y a beaucoup de tentations. On va en parler tout au long de l'émission. Pour montrer l'importance de la formation, la formation okay. euh, du peuple congolais, de, de, de l'enfant, de notre enfant pour un avenir à Dieu demain. Monsieur Florent Calongi, en vous présentant ici sur ces plateaux, j'ai parlé que vous étiez entrepreneur, homme politique, mais aussi, vous avez des ambitions. Nous ne sommes pas encore pendant la période des campagnes, mais nous voulons juste parler de vous, de vos activités, de ce que vous pensez. Aujourd'hui, quand quelqu'un veut postuler à un certain niveau, est-ce parce qu'il a remarqué des choses qui ne vont pas, ou euh, ils veulent juste amener euh, une autre pierre à l'édifice. Merci beaucoup, madame. Vous, Mme. parce que vous êtes euh, déjà, dans, vous vivez dans la commune de Kissenso, parlez-nous un peu de cette commune, parce que quand on parle de Kissenso, on voit l'enclavement, on voit le Koulouna, on voit euh, du côté sombre. Est-ce qu'il y a un côté positif aussi de cette commune, de cette municipalité Merci, madame Ranta. Là, je préfère parler d'abord comme un scientifique. Je vous en prie. Je ne voudrais pas. Plus basé dans la politique. La politique. Parce que, le, en Après tant que scientifique, mm -hmm. euh, je suis en contact avec la commune de Kisenso depuis plusieurs années et je vois les mêmes mots qui se répètent. Je donne un exemple. Après la pluie, quand il pleut à Kisenso, il y a les eaux, les sables qui envahissent les communes environnantes, comme Matete, Lemba, une partie de Lemba. Et c'est déjà un problème qui a duré, qui n'a que trop duré. Personne n'arrive à trouver solution à, à ces à cette situation là mm -hmm. Et on caractérise Kisenso par des ravins, par de l'enclavement, manque de ceci, manque, manque des de infrastructures, manque, euh, manque, manque de l'eau le potable. Bah, Alors, c'est ce qui m'a poussé, en tant que scientifique, à me concentrer sur les cas de Kisenso. Puisque pour moi, Kisenso, c'est une euh, entité urbano-rurale qui est dans la ville de Kinshasa, qui est la représentation des Congo profonds. Alors, pour arriver à résoudre le problème de Kisenso, il fallait d'abord approcher les habitants de Kisenso. Okay. Quand j'ai commencé à approcher les, les habitants de Kisenso, ils m'ont dit, tous avaient le même langage, que Kisenso, c'est une cité dortoir. Même les bourgeois de l'époque, M. Jacques Billet, quand je, je l'ai contacté avant, puisque j'ai défendu un mémoire mm -hmm. de licence sur Kisenso en 2015, mm -hmm. j'ai fait mes recherches à la commune et j'ai eu le même langage même de la bouche de. Du bourg commerce de l'époque, qui me disait que c'est une cité dortoir. Alors je me suis posé la question comment peut-on développer une cité dortoir Tout est parti de là. C'est-à-dire, les habitants de Kissens, chaque matin, migrent vers les entités environnantes, Matete, mm Lemba, -hmm. pour des mm -hmm. petits jobs, mm -hmm. pour activités rentabilité économique. Mm -hmm. Et par conséquent, ils laissent leurs impôts et taxes là-bas. Et retournent chez eux pour dormir. Alors moi, en tant que marketeur, puisque j'ai fait le marketing à l'essence, mm -hmm. je me suis posé la question comment une entité peut se développer quand il n'y a pas création de richesse localement. Et cela a été motivé par, euh, j'ai intitulé mon mémoire possibilité de développement d'une entité décentralisée. L'approche marketing organisationnelle que je vais expliquer dans la suite de l'émission. Cas de la commune de Kissers. Oui. Et comme solution à, au problème de ravin, au, au manque de tout, c'est quoi comme solution que vous, vous aviez proposé déjà dans la problématique que vous avez étudiée pour ce travail Le problème des ravin, ravin, moi je ne vois pas un problème dans le ravin. Le ravin c'est une opportunité. Puisque je suis parti d'un constat. c'est les mêmes problèmes qui persistent jusqu'à aujourd'hui. Oui, je suis parti d'un constat qu'il y a des pays qui sont développés, des pays désertiques, des pays où on ne sait pas cultiver, où on doit creuser profondément pour trouver de l'eau, qui sont plus développés que notre pays, le Congo, qui est béni. Potentiellement, alors potentiellement que la population. Béni a... par la nature, mm -hmm. une nature clémente, mais nous sommes sous-développés. C'est que j'ai compris que. Le problème de développement n'est pas lié à l'environnement ou bien aux réalités géographiques. Mm -hmm. Le problème de, de développement est lié à des attitudes. Des attitudes que nous avons vis-à-vis -vis de nous-mêmes d'abord. l'attitude que nous avons vis-à-vis -vis de notre milieu de vie. C'est l'attitude qui détermine la force d'aller de, 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 de l'avant. Mm -hmm. Ça, sur les attitudes, je pense que nous les Africains... Nous avons été éduqués avec la crainte de, de, de beaucoup des milieux dans nos villages. Par exemple, il y a des villages de, de, de rivières dans lesquelles on ne se baigne pas. Il y a des forêts où on n'entre pas. Et supposons que dans cette rivière, il y a de la richesse. Vous n'y accéderez jamais jusqu'à la mort, puisque les attitudes que, vous a, que nous avons héritées de nos cultures font que... Nous soyons distants Ils sont érigés de comme des barrières. des solutions à, à certains de nos problèmes. problèmes. Et c'est le cas de qui Ok. Je pense que le commerce le actuel suivra cette émission ami, pour, ami, pour euh, vous oui. chercher afin de développer un oui. peu plus, euh, pour trouver des voies, des solutions pour sortir cette euh, commune urbano-rurale de, euh, de ses difficultés ou de ses problèmes. Monsieur Florent Kalongi, parlons de l'actualité politique qui est assez abondante. Il y a la, 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 la sortie du gouvernement, saint m'a des deux. Il y a la nomination de certaines personnes qui ont fait couler encre et salive. Et aujourd'hui, avec la taille déjà du gouvernement, avec ce que le DEP préconisait, réduire le train de vie des institutions, vous pensez que cela peut se faire et comment bon, Vous avez posé plusieurs questions à la fois. Commençons par le gouvernement. Le gouvernement. Le gouvernement, je crois que depuis un temps, il y avait des bruits dans les sens des remaniements, Et ça valait la peine, puisque il y il a, quelques certains, membres il a certains secteurs, okay. comme le secteur de la sécurité de la ville. Ça, ça allait de, de mal en pire, puisque chaque jour, l'insécurité était croissante mm -hmm. dans nos villes, à, même en ville-province de Kinshasa, dans beaucoup de quartiers. Le phénomène Koulouna prenait des ampleurs alors que le pouvoir politique apparemment n'était pas à la hauteur. Donc il fallait penser à des remaniements, ce qui est qu chose faite. N'oubliez pas aussi qu'il y a les problèmes de l'Est du pays qui est toujours dans l'insécurité. Et tout ça a fait que le chef de l'État a pensé à redynamiser l'équipe gouvernementale. gouvernementale qui est sous l'autorité la, du Premier ministre. Jean-Michel kingé Jean Et ce qui est qu chose faite. Je pense que les têtes qui, qui se sont retrouvées, les nouveaux venus, ce sont des calibres qui peuvent quand même faire bouger les lignes. Ça, je suis, je suis convaincu. En parlant de ces têtes qui viennent d'arriver, qui vont faire bouger les lignes, on voit Vital Kamere, on voit Jean-Pierre Bemba, on voit Mboussanya Mouissi. Selon euh, le Congolais, quelques personnes qui nous, nous ont posé cette question, ils nous ont dit que ces trois personnes euh, ont un passé lourd, ils ont du sang entre leurs mains. Vous pensez que c'était les personnes idéales euh, qu'on pouvait placer dans ces gouvernements qui, euh, à neuf mois seulement des élections, peuvent apporter un changement, ce qui n'a pas été fait en quatre ans Merci beaucoup, Mme Renta. Mais vous avez oublié une autre tête que j'ai préféré que vous. Ils sont citiez. nombreux, j'ai cité le 3. Vous n'avez pas cité Peter Cazadi. Peter Cazadi, au ministère de l'Intérieur. Que je salue en passant, puisque j'ai eu à les féliciter dans les réseaux sociaux. Mm -hmm. Je les félicite une fois de plus dans cette émission. C'est un monsieur que je connais très bien. Euh, je crois que le changement de gouvernement, on n'a pas les, les hommes idéaux. Idéaux plutôt n'existe pas. pas. Donc, Donc euh, tout est fonction de temps et de circonstances. Hein? Puisque les Congolais pensent qu'il y a des hommes qu'il faut nécessairement pour changer. Avec un Donc, profil bien non, établi, non, non, non. bien ces détaillé. Hommes -là, ces hommes-là, même pour être chef de l'État, l'État l'avait dit. Il n'y a personne qui a, qui a réuni toutes les conditions pour être chef de l'État. Donc, c'est sur terrain qu'on découvre qu'on a des capacités. Atouts. On découvre certaines capacités qu'on a. Moi, je pense que la nomination de, de Jean-Pierre Bemba des de Vital Kamere euh, n'engage pas l'air passé, mm -hmm. dans le sens que nous sommes tournés vers l'unité, vers la, la cohésion nationale. Oui, je, Et à quelques mois des élections, moi, je ne fais que. Euh, applaudir cette nomination dans le sens que ce sont des hommes de terrain. Jean-Pierre Bemba, particulièrement, il connaît les terrains de, de l'Est, il connaît les terrains des groupes armés. Pour avoir été un homme de guerre. Oui, pour, pour avoir été là et, la et la la il a passé 10 ans à la, la CPI. CPI. Je crois que la prison aussi c'était une école. Hein? Et je, ne, je ne vois pas Jean-Pierre Bemba rentrer dans ce qu'il a peut-être des erreurs d'il de, de, y a 10 ans, d'il y a 20 ans. Je ne vois pas Jean-Pierre Bemba rentrer là-bas. Ok, Jean-Pierre Bemba, Camere. oui, très bien, allons-y. Vital Kamere, je pense qu'il a été acquitté par la justice. Mm -hmm. Il n'a pas été condamné. Sa nomination a surpris les Congolais. Bon, bien sûr, ça peut surprendre dans le sens, dans la mesure où le procès était télévisé mm -hmm. et les gens ont vu, mais c'est une chance pour lui de laver l'image, son image, crois que. Euh, C'est une, euh, il est, il est une nouvelle de, occasion oui, oui. De, il de, se laver, il est de se laver et son péché. C'est ce qu'on peut dire à ce stade. Mais je connais qu'il est économiste, il a aussi des capacités de bouger un peu sur le... Puisque les gens parlent aujourd'hui de l'ubumu, de, de ventre. Et malgré tout ce qu'on peut faire... Mais ces manques de confiance, euh, ces manque de confiance hein, des Congolais avec euh, le ministre de l'économie, est-ce que ça peut... Parce qu'il faut qu'il y ait collaboration avec la population, mais si la population sent que la personne qui est là euh, ne doit pas se retrouver là. Non, mais je pense qu'il va convaincre les politiques. Là-bas, les... est dans son politiques, mm -hmm. Il va convaincre les Congolais. Mm -hmm. Et il n'y a que dans ce climat de confiance qu'on peut relever l'économie, le secteur de l'économie. Mm -hmm. Puisque, vous savez, c'est le secteur clé. Mm -hmm. Quand on peut tout dire, on peut tout faire, mm -hmm. quand le ventre... Là, n'a pas encore trouvé son C'est ce que les Congolais attendent hein, depuis oui, oui. qu'on peuple d'abord et oui, on, on justement, continue. Justement. Quatre ans après, nous continuons à attendre. Le peuple n'a pas la même connaissance oui. que nous. Nos assiettes les, savez, les assiettes sont vides. Vous savez, les assiettes sont vides. Pourquoi C'est vide. Pourquoi Et qu'est-ce qui remplissait les assiettes avant à une autre période voilà. voilà, nous poursuivons cette émission avec M. Florent Calongi. Je disais qu'il était cadre de l'UDPS, je sais ce qu'il dit. Et quelle est la mission de ces gouvernements sans mal au des deux, exactement certains, Certaines personnes parleraient d'une équipe de campagne. Bon. On peut pas, moi, je ne peux pas dire que c'est une équipe de campagne, mais c'est une équipe qui va nous amener vers les élections en 2023. Ça, c'est sûr, oui. C'est cette équipe dont la mission, c'est nous amener aux élections. Puisqu'il y a quelques mois des élections, je crois que la première mission que cette équipe doit avoir, c'est amener les Congolais aux urnes. Mm -hmm. sans, sans toutefois oublier qu'il y a la guerre à l'Est. Mm -hmm. Parlant de la guerre à l'Est, ouais. par quoi Jean-Pierre Bemba doit-il commencer Ou par où doit-il commencer Parce qu'il y a beaucoup de choses hein, dans cette... qui entrent en jeu. Dans, la, dans cette situation d'insécurité qui prévaut dans l'Est de la République, il doit commencer où exactement En tant que politique, en tant qu'analyste, y a-t-il euh, de préalable à faire pour euh, aller s'attaquer à cette guerre et à la terre pour que euh, le, Congolais, le, le, le Congo soit pacifié dans son entièreté Moi, je pense que Jean-Pierre Bemba, avec son expérience d'ancien guerrier, il a trouvé un terrain favorable pour amener ces pays à la paix. Mm -hmm. Il y a d'abord la loi de la programmation militaire qu'il a trouvée, mm -hmm. qui n'a jamais existé depuis l'indépendance de notre pays. Mm -hmm. Cette loi permet à l'armée d'acquérir les équipements nécessaires et d'avoir un budget conséquent pour la sécurité de la nation, ce qui n'a jamais été depuis des décennies d'indépendance. C'est une loi qui est voté actuellement mm -hmm. sous le règne de son Excellence le Président mm -hmm. et il a l'avantage de trouver cette loi là mm -hmm. déjà sur la table et il a aussi l'avantage de d'être un homme expérimenté dans les dans tout ce qui se passe à l'est mm -hmm. et il a l'avantage aussi de connaître aussi quelques belliger, quelques belligerons. quelques belligérants quelques euh, sémères de troubles qui sont là-bas à l'est je crois que euh, sa nomination, ce n'est pas un fait de hasard. Et vous pensez que Jean-Pierre Bemba, avec sa carrure, peut, fait, faire, perdre, peut euh, faire peur à Kagame Non, on, on ne cherche pas à faire peur à Kagame. Euh, on cherche à parce qu'on qu a, a cherché, cherché une personne cherche... euh, qui soit capable de l'affronter. Euh... On cherche à mm -hmm. assumer la souveraineté de okay. la nation, dont nous devons nous assumer comme nation. Mm -hmm. Et sa présence ça peut aussi faire que quelques calculs puissent changer, certains calculs, hein, puisque le rapport des nations, c'est le rapport de force mm -hmm. et mm -hmm. d'intérêt. Quand vous êtes faible, on, vous, on, on marche sur vous. Mm -hmm. Quand vous, vous, vous devenez un peu plus fort, on vous respecte. Mm -hmm. Je crois que la présence de Jean-Pierre Bemba va apporter un peu de force à. À ces dans ce ces rapport entre, là, va faire entre que, États. oui peut-être au niveau des négociations qu'on puisse négocier avec une certaine euh, avec <laughs> certaines réserves okay. ouais, et en ce qui concerne l'identification de certains euh, officiers militaires euh, soi- disant infiltrés qui sont d'autres nationalités qui aujourd'hui ce n'est pas euh, un secret des polichinelles qu'il y a des étrangers qui sont au, dans l'armée. Voilà pourquoi le, le FRDC euh, est un peu, se de temps en temps qu'il y a la situation d'insécurité à l'Est. Comment s'attaquer à cette épineuse question Bon, je crois que le président français Macron a évoqué le problème dans ce sens-là, qu'il y a ceci dans votre armée, dans vos mm -hmm. institutions. Mm -hmm. Mais il a oublié une chose, que c'est l'œuvre de la communauté internationale, c'est que nous vivons aujourd'hui. C'est parti des années 1900. Mais c'est à nous de défendre notre souveraineté. Ce oui. pas la, communauté, la communauté internationale nous renvoie la balle. pour à dire, dire hein? que vous êtes vous responsable. Oui, oui. C'est-à-dire oui. qu'il y a eu des moments où cette même communauté nous a imposé certaines choses inacceptables. C'est-à-dire qu'on nous a imposé des brassages, des mixages au nom de la paix à l'époque. Mm -hmm. C'est ce qui a justifié la présence des... Autorités militaires dans notre armée, mais qui sont des nationalités étrangères. Alors, à ce stade de choses, il, suff, il faut seulement nous assumer en tant que Congolais et assumer notre souveraineté pleinement. Le problème de la présence des autres autorités militaires, ça va se régler de soi. Moi, je pense que ça va se régler de soi, puisqu'on ne peut pas ouvrir un procès contre tel qui n'est pas tel, tel, tel. Non, non, ça va se régler de soi. Ça, il faut laisser l'État au temps. Mm -hmm. ah, ça, moi, je suis convaincu que ça va se régler. Ok, nous espérons. Ouais. Parce que Vous avez même entendu qu'il y a des défections à l'Est, là Oui. C'est qui quitte, qui rentrent de l'autre côté. Voilà, nous apprenons à nos notre, à notre téléspectateurs que Jean-Pierre Bemba vient de prendre effectivement son fauteuil il vient de prendre là, par la remise et reprise avec euh, le ministre sortant qui est allé dans un autre ministère. Il a donc pris ses fonctions officiellement. Euh, Aujourd'hui et nous nous souhaitons toutes les bonnes chances afin de terminer cette situation qui euh, perdure au-delà de 20 ans, c'est quand même aberrant de voir une population, une nation en train de souffrir d'une chose qui euh, devient euh, un, 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 interminable en fait. Donc euh, nous avons vraiment intérêt de lui voir terminer cette situation de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Et, et moi, je lui dis qu'il a notre soutien de l'IDPS. Il a le soutien de l'IDPS, mon parti. Ok, voilà pourquoi il est dans le gouvernement. On sent qu'il est de l'Union Sacrée. Voilà, nous poursuivons cette émission avec M. Florent et Kalongi. L'actualité, c'est aussi la loi sur la Congolité qui vient d'être alignée euh, dans le calendrier de matière de la session de mars 2023 à l'Assemblée nationale. Pensez-vous que cette loi, cette proposition pourra être votée? Bon, nous sommes un pays. Dans tous les pays au monde, il y a toujours des limites. On peut permettre à un individu de faire, de faire n'importe quoi. C'est pourquoi j'ai dit qu'en tant qu'intellectuel, nous, nous devons miser plus sur nos attitudes. Nous ne devons pas seulement mettre nos appétits politiques au-dessus de, 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 des intérêts des, 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 individus. Euh, des individus. Nous devons euh, adapter nos attitudes pour le bien commun. C'est-à-dire, les étrangers sont partout, dans tous les pays au monde. Il y a des étrangers. Il y a même une branche, une légion étrangère en France. Je ne sais pas si vous êtes au courant qu'il y a une, une, ré, une légion française, mais mm -hmm. composée que des étrangers. Et cette légion-là intervient à certains endroits envoyés par la, le gouvernement français. Alors, c'est vous qui dites que dans tous les, les gouvernements, toutes les armées, il y a des étrangers. Mais il y a des limites qu'on peut fixer. Donc, un étranger ne peut pas accéder, dépasser certaines limites. Même chose en politique. Hein? Il y a nos, nos compatriotes qui sont des députés en Belgique, par exemple. Il y a une dame. Oui. Mais cette dame-là ne peut pas se réveiller un matin pour aspirer à certains postes qui sont réservés aux Belges d'origine. Mm -hmm. Et c'est cette loi-là. Cette loi, loi n'est pas discriminatoire. Mm -hmm. Moi, je n'aime pas parler de la Congolité. Puisque ça donne une, une nuance là, discriminatoire. Ce n'est pas discriminatoire, ça rétablit les limites. Alors que tout Et le monde pense là, que c'est une loi discriminatoire dans... qui vient en plus, qui vient encore diviser les Congolais. Alors qu'on a parlé ici de la de Là on a de l'unité. On profite de l'ignorance de de des Congolais pour communiquer de... de de telles résistances, c'est-à-dire que la loi devient... C'est quoi divisée. cette ignorance La loi, hein? L'ignorance, mm -hmm. non L'ignorance des Congolais, mm -hmm. puisque vous connaissez que euh, la majorité de la population n'ont pas bénéficié de l'éducation à cause de, de mots qu'on qu a connus, du système mm -hmm. qu'on a connu, de, euh, bon, là il faut, faut rentrer dans les détails, et je crois qu'il y a eu des dégâts à ce niveau-là, ce qui fait que il y a des adultes d'aujourd'hui qui n'ont pas bénéficié des connaissances nécessaires et les politiques connaissant tout cela... Ils exploitent leur ignorance pour communiquer les hérésies. La loi ne vient pas diviser les Congolais. La loi vient fortifier l'État. C'est ça, la loi là, vient fortifier l'État. Parce que la loi est impersonnelle, mais on sent dans cette proposition euh, l'intention d'écarter certaines personnes non, non, de non, la non, course. Ce sont certaines personnes qui, qui ont l'intention que cette loi est adressée à eux. Ce n'est pas la loi qui a l'intention d'écarter. Ce sont certaines personnes ont l'intention que la loi est contre eux. Pourquoi ils ont cette intention-là C'est ça, c'est la vérité. Une façon, Une façon de, de les écarter, écarter de, de la course non, non, non. à la vous présidentielle. Vous dit, hein, comme on dit qu'on a des ambitions démesurées. De mm -hmm. C'est-à-dire, vous entrez dans ma maison, par exemple. Ça, c'est ma maison. Vous arrivez ici, je vous dis que monsieur, vous, vous allez vous limiter au salon. Je vous retrouve à la cuisine. Voyez, c'est ça le problème. Quand vous arrivez dans ma maison, je vous donne votre chambre là, mais que je vais vous trouver dans ma chambre et vous qualifier comme violez l'intimité. Vous violez même la souveraineté de ma maison. Mm -hmm. Et c'est là le problème. Nous aussi nous sommes dans des pays étrangers Mais le fait déjà de lui ouvrir la porte de votre maison oui. veut dire que il a le plein droit de sur qu'il est dans la non, maison. Non 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 non, là c'est l'éducation. Même moi quand j'arrive chez vous dans votre maison, si vous m'ouvrez votre porte vous me donnez une chambre, vous me montrez le salon, la salle à manger, je vais me limiter là-bas. Mais juste que vous allez me trouver dans votre chambre, ça serait une violation. Et c'est ça, c'est comme ça qu'on doit comprendre ces choses-là. Mais pourquoi, pourquoi défendre, défendre cette proposition, proposition cette loi, cette que maintenant, à neuf mois de la, de, la de la tenue des élections, s'il si y en aura Je vous informe que cette loi-là n'est pas une innovation. Moi, j'ai appris en, en droit civil depuis le, la première année graduée à l'université, qui est dans l'armée étranger voilà ne pouvait on pas parler, dépasser d'un acharnement parce qu'on s'est dit. C'est la veille des élections. C'est faudra pas maître de loi qui puisse écarter certains candidats et pour que la voix soit libre aux candidats. Non, non. Qui loin, 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 au de, loin, du chef de l'État cette intention. D'ailleurs, ce n'est pas lui qui est l'initiateur de la loi. Mais c'est sorti, c'est c'est. n'est même pas de l'idpès. La c'est lui qui assume la paternité de cette. Il n'est pas de Il est de l'union sacrée. Mais il, il n'est pas de de paix. Mais de l'union sacrée. Alors, il est congolais. S'il a trouvé que cette loi-là vient fortifier sa nation, mm -hmm. il n'a que assumer la paternité de la loi. Où est le problème Moi, je ne vois pas de, de problème là-bas. Quand quelqu'un trouve le mal dans cette loi-là, mm -hmm. c'est qu'il il ne se sent pas... Il se sent concerné. Oui, il se sent concerné par la loi, c'est-à-dire que... Il y, il y a quelque chose, chose qui ne qu va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est qu'il n'est pas, il n'est pas, il ne voit pas l'intérêt du pays au-dessus de, de ses intérêts. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il y a des gens dans ces pays qui mettent leurs intérêts au-dessus au des intérêts des intérêts de la communauté. Vous comprenez Il y a quelque part où nos ambitions s'arrêtent. Donc nous devons comprendre ça, même si on est en politique. Mais que diriez-vous de mettre Jean-Claude Mouyambo qui tient déjà à porter plainte contre euh, cette loi ou impliquer, aller en justice contre cette loi oui. qui est discriminatoire à, à son point oui. de vue Il est juriste et nous, nous sommes un État de droit. Nous avons lutté pendant plus de 37 ans pour un État de droit et il y a la, la séparation de pouvoir. On ne pouvait pas lui, lui ôter le pouvoir d'ester en justice. S'il estime que cette loi est discriminatoire, il va porter ses moyens de défense en justice. Très bien. Et moi, je sais que j'ai étudié euh, depuis l'université qu'il y a des lois qui limitaient le, le, le droit de, des étrangers, même dans l'armée, mm -hmm. même dans la politique. Mm -hmm. Et ces, ces, ces lois-là ont été piétinées pendant plusieurs années mm -hmm. au profit de, 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 de négociations, de des réinsertions. Quelqu'un qui a pris les armes, il pose comme condition, si vous voulez, la, la paix. paix. Vous me prenez avec, les grades, moi, okay. avec mon grade mm -hmm. de général, Partage de pouvoir. alors ça s'est fait dans mm -hmm. ces pays comme ça. Mm -hmm. Et il fallait l'arrêter. Pas... Oui, il fallait quand même à un moment donné arrêter ça, mm -hmm. puisque ça ne nous a pas apporté de solution. Mm -hmm. Ça nous a apporté que de tuerie sur tuerie jusqu'à l'Est. Nos compatriotes meurent tous les jours, mais cette paix pour laquelle on a fait des mixages, on a fait des de brassages, n'a jamais été atteinte. Donc, il faut s'arrêter à un moment. Très donné. bien, nous tendons euh, petit à petit, vraiment vers la fin de notre émission. Mm -hmm. Parlons des élections. Y aura-t-il mm -hmm. élections en 2023 Les élections, c'est constitutionnel. Nous avons un mandat de 5 ans. Mm -hmm. Et nous avons déjà une CENI, un président de la CENI, mm -hmm. qui a sorti un calendrier. Et on a lancé... L'opération d'identification d'enrôlement depuis le 24 décembre, décembre 2022. 2022. Et il y a eu, toutes les phases ont déjà évolué. Il y a quelques provinces qui sont encore en train de s'enrôler. Ce qui confirme. Il y aura élection avec euh, plusieurs contraintes aujourd'hui. Il y a la partie est, euh, soit qui doit être euh, écartée des élections, comme ça a été le cas en 2018. Il y a beaucoup de contraintes. On parle aussi des financements. Tout ça amène à croire qu'il y aura glissement. Et aujourd'hui, la Mouka euh, prétend dire que s'il y a glissement, euh, il y aura une transition sans le président Félix Tshisekedi euh, comme chef de l'État. Qu'en pensez-vous Ça me fait rire. La Mouka qui dit que s'il y a glissement, en tout cas, transition. Euh, au, quand il a, au, en, en cas de glissement, il, faut, il faudra que euh, la société civile gère la transition de une à deux ans, le temps d'organiser les élections, mais sans le président actuel. Bon, moi, je se dit que la Moukala est en train de, de faire du copier coller qui ne cadre pas avec la réalité actuelle. Parce, Parce que qu l'IDPS, à l'époque, a, 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 a parle, la même... Euh, C'est pourquoi situation. je parle du copier coller eh, Très bien. Ils veulent euh, copier ce qui s'est passé dans un contexte donné l'amener dans un contexte qui n'est pas approprié. Le chef de l'État est en son premier mandat. S'il s'avérait que, compte tenu de contraintes, puisqu'il y a toujours le, 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 le cas de force majeure, par exemple, s'il y a une guerre, s'il y a un tremblement de terre, s'il y a par exemple un incendie... Mais ça n'a pas, pas empêché la tenue des élections, élections en 2018. Non, je vais arriver là-bas. S'il y a un cas de force majeure, mais ce qui n'est pas le cas. S'il si, y a l'insécurité à l'Est. Si au cas où cette insécurité. Et ah, de l'autre côté, vers le Kouilou, le Bagata, le. Si cette insécurité grandissait. Au point qu'on ne sera pas aux élections, moi je pense que le chef de l'État n'a même pas partagé son pouvoir. La Constitution a déjà tranché ces cas-là. L'article 70 dit qu'il reste en place jusqu'à l'installation du nouveau chef de l'État. Alors dire que. Transition sans chef de l'État, je ne vois pas sur quel texte il lise ce, cela et bien comment il vient jouer sur l'ignorance le, le, des Congolais pour euh, communiquer des mensonges. Moi je trouve que ça n'a pas ce n'est pas ça ne peut pas se réaliser, surtout qu'on est encore au premier mandat. Donc cela pourrait être normal s'il était à son deuxième mandat. Était parce que nous l'avions vu avec l'IDPES. Et qu'il y a une volonté affichée de ne pas organiser. Qui ne voulait pas organiser. la tête de Kabila voilà. parce qu'il y a eu un glissement. Oui, c'est le contexte qu'on a connu là-bas. Il y avait une volonté affichée de ne pas opérer l'alternance. C'est alors que l'IDPES avait dit à l'époque qu'il y aurait une transition sans Kabila. Mais ce n'est pas le même contexte aujourd'hui. Ce n'est pas le même contexte. La Mouka fait du copier-coller. Qui ne cadre pas avec la réalité actuelle. C'est vraiment Mamouka n'a qu'à garder, à, à prendre son mal en patience, d'attendre les élections euh, à n'importe quelle année. Nous, nous sommes déterminés à aller aux élections. Au cas où il y a un cas de force majeure, mm -hmm. il n'y a pas est une transition quelconque. qui C'est La constitution sera appliquée, l'article 7. Oui, la, 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 la constitution est claire. Très bien, nous sommes. Et euh... cette constitution, ce n'est pas l'œuvre de l'IDPS. Mm -hmm. Vous savez bien, madame. Ce pas l'œuvre de l'IDEPES. Voilà, nous tendons vraiment vers la fin de notre émission. Mais y a-t-il, avant, nous ne sommes pas encore au, au, au terme du mandat de, du président Félix Tshisekedi, mais quand même, y a-t-il euh, euh, un bilan qu'il faut présenter de Félix Tshisekedi pendant ces quatre années Parce qu'on a vu euh, en quatre ans. Euh, il a été incapable de terminer la guerre euh, dans la partie est parce que nous avions suivi son message euh, euh, pendant la campagne. Il a dit si vous me donnez le pouvoir, si vous me votez comme chef de l'État, je terminerai la guerre à l'est. Chose qui n'a pas été faite aujourd'hui. Vous pensez que le bilan de Félix Antoine Tshisekedi est positif ou négatif Le bilan de Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, est largement positif. Je vais vous expliquer. Vous vous souviendrez, le gouvernement ancien a lancé un vaste programme de cinq chantiers qui n'a été qu'une poudre aux yeux des Congolais. Comme 100 jours Bon, 100 jours n'est pas comparé avec euh, cinq chantiers. Je vais vous démontrer. Ce programme-là, il y a eu une création d'une société pour défendre les intérêts des parties, la partie chinoise et la partie congolaise. Oui. Une joint venture mm -hmm. qu'on a appelée Mine. -min. Et cette société est partie avec un capital qui n'était pas estimé, qui n'était même pas bien évalué, de 100 000 dollars. Après l'application des cinq chantiers, il s'est fait que la partie chinoise a bénéficié des 10 milliards contre 800 millions, quelque chose là, à la partie congolaise. Et ces 800 millions qui a été même dilapidé. Et les rapports sont là devant l'UGE. Heureusement, l'UGE est, est, est déjà dans, sur ces aussi. dossiers. Maintenant, le chef de l'État, Félix andré il vient. Il lance le projet de développement des 145 territoires. Et vous êtes journaliste, madame. Qui est menacée d'ailleurs euh, face oui. à la situation oui. de l'insécurité. Les menaces sont partout. Vous ne pouvez pas lancer un projet et vous attendre à la calmie. Donc a, même votre vie, même la naissance est menacée. C'est pourquoi quand la, la maman va pour accoucher, il y a toujours des menaces. Mais elles finissent par accoucher. Les menaces sont là, mais les résultats sont là. Vous êtes journaliste dans beaucoup de territoires, Allez avec vos caméras, vous allez voir ce qui se passe. Déjà, déjà ça démontre qu'il y a une volonté affichée du chef de l'État. S'il peut faire 18 ans comme son prédécesseur, le Congo sera transformé. C'est pourquoi, moi, en tant que cadre de l'IDPS et je serai aussi candidat en 2023 ici, je préfère, je, je demande aux Congolais de donner une majorité suffisante. Nous ne sommes pas encore la là, ce pas la campagne électorale. Oui, oui, c'est-à-dire que le moment est venu... Okay. Puisque tous ces soucis de développement, mais la volonté est là du chef de l'État. Moi, je ne peux pas parler en termes de mandat pour Félix Santé de C'est bien d'avoir la volonté, mais les réalisations, le Congolais attend des réalisations. Allez à Mama Yemo. Cet hôpital Mama Yemo, ici, il y a des générations, des générations qui sont nées dans des bicoques, et les mêmes bicoques sont restés là-bas. Il fallait attendre Félix Santé pour voir des immeubles qui commencent à pousser. Ça, c'est tout près de chez nous, ici. Et. Le 5 Chantier a réhabilité le, le cinquantenaire avec 114 millions de dollars. De réhabilitation. Or, oh, donner 5, 114 millions de dollars à Félix Tshisekedi, il va construire des hôpitaux. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a quand même un changement. Hein, même si le, le, le ventre n'a pas encore ressenti mmh, ce changement. Les anciens de Congolais sont encore. Bien sûr. Euh, ça, c'est un autre débat. On, va, on fera ce débat là, la prochaine émission. Mais il y a quand même des bases qui sont en train d'être posées okay. qui, qui garantissent un avenir meilleur. Puisque j'ai voyagé dans ces pays, quand même, dans des provinces, en 98, une année après le départ de Maréchal Mobutu, j'étais à l'Isala. Je n'ai rien trouvé, madame, comme route asphaltée à l'Isala. En 98, une année après le départ de Mobutu, j'arrive à Bomba, aucune route asphaltée. Et c'est la même situation dans les Kuiru, dans le Bas-Congo, tout était en délabrement total. Alors, de, face à cette situation-là, vous n'allez pas demander les miracles. Euh, Félix s'est dit qu 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 dans qu -ce quatre magique. ans de changer tout, tout et tout devient rose dans, dans quatre ans. Non, il y a un travail à faire et ce travail-là aussi demande l'accompagnement. Cet accompagnement, c'est moi et vous. Puisque si nous ne l'accompagnons pas, rien ne se fera. Puisque lui, il ne sera pas partout dans les cuivres, dans le banc. Il n'y a que les Congolais qui doivent accompagner. Mais il y a aussi un problème de mentalité. Les mentalités que nous devons changer. Et cette mentalité ne peut changer que quand nous changeons nos attitudes vis-à-vis -vis de nous-mêmes, vis-à-vis d'autres pays, vis-à-vis -vis de nos territoires, vis-à-vis -vis de nos compatriotes. Et c'est là qu'on mettra l'intérêt général au-dessus de nos intérêts. Sans changement des attitudes, en tout cas, rien ne se fera. Donc le développement, c'est un idéal qui ne peut être atteint que quand nous changeons des attitudes. Monsieur Florent Callongi, merci d'avoir répondu à nos questions et merci d'avoir accepté notre invitation sur Mondico Télévision. Madame, monsieur, comprenez que votre magazine Tribune touche à sa fin et nous disons merci à toute l'équipe qui sont de l'autre côté, à toute l'équipe qui est de l'autre côté de caméra pour vous servir. Je vous retrouve très prochainement avec un nouvel invité. Au revoir. C'est moi qui vous remercie, madame. Merci. Thank you